Bonjour, nous sommes le vendredi 23 décembre. J'ai décidé de vloguer sur plusieurs jours, 23, 24, 25, 26. Je publierai le 26 ou le 27. Je ne me voyais pas, en fait. Arrêter le 22 et puis salut. Non, peut-être qu'il y aura une vidéo en moins, mais quand même. Je ne sais pas encore ce que je pourrais, ce que je ne pourrais pas vloguer, mais je trouvais ça intéressant de se laisser comme ça porter. Hier pour moi, pour vous non, mais le jour où vous avez vu la vidéo où je me suis trimballée avec les papillotes dans tout le supermarché et je suis allée chez le coiffeur, très honnêtement, je ne sais pas comment j'ai réussi à tenir pendant ces 2h30 chez le coiffeur. C'était exponentiel au niveau de la douleur. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai dû aller aux toilettes. Moi, je fais des migraines nauséeuses, donc j'avais la nausée, j'avais envie de vomir, il fallait vraiment que j'aille aux toilettes. Je leur ai demandé, ils m'ont dit, bah non, on peut pas, nos toilettes fonctionnent plus, donc c'est pour ça que j'ai un peu déboulé partout. Mais ouais, c'était très 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 compliqué pour moi. Eric, là, il vient de partir à l'aéroport chercher son fils qui est avec nous durant vraiment quelques jours, trois jours. Le réveillon. Parce que je sais, j'ai eu des questions, tu fais quoi, t'as prévu des choses? Oui, alors, le 24, donc demain soir, chez ma maman, en tout petit comité, nous allons être 4. Et le 25 midi, chez la fille d'Eric, en plus gros comité, je ne sais pas combien on va être peut-être 16, un truc comme ça. Alors, ouais, ça va être autre chose. Là, j'attends ma maman qui m'a demandé d'aller avec elle pour, je pense, faire 2-3 petits achats de dernière minute. On va quand même ouvrir le calendrier, les petites cases restantes. Par contre, s'il y a un parfum, un truc, machin, je ne le sens pas. Non, je ne prends aucun risque. Mais il faut que j'ouvre la case d'hier 22, qui est ici. Petit flacon pipette, dis-moi que c'est un sérum. Ouais, sérum. Et le 23. Oh, vous pensez que c'est quoi? J'espère vraiment pas que c'est le parfum qui m'a rendu malade. Le 23, donc aujourd'hui il est là. Encore? C'est pas un mascara quand même. Ça ferait beaucoup là. Monsieur Big. Ah ouais, bah dis donc. Troisième mascara. Bon, je vais le tester. Ensuite, celui que j'ai fait à ma maman. Aujourd'hui, elle recherchait des bougies. Elle les avait prises l'année dernière un peu en doré, mais il n'y en avait plus. Donc elles sont. Il y en a des beiges et des. On va dire Parme, très très clair. Je vous ai dit ou pas, Maison du Monde, voilà, il y en a 6. Évidemment, elle était très contente. Hier, un des savons, vous savez, qui était dans la box, elle l'a beaucoup, beaucoup aimé. Voilà. Ah, mais non, il n'est pas midi, il est 11h47. On est large. Oh, il est presque fini, c'était top. Il m'a énormément plu. Alors après, je me dis, bon, la chaussière qui saute. Enfin, si jamais je décidais de reprendre un Lancôme l'année prochaine, dites-moi ceux ou celles qui ont déjà acheté 2 fois consécutifs ce genre de calendrier, est-ce que ce sera exactement la même chose ou est-ce qu'il change un petit peu? L'idée, c'est quand même de découvrir des trucs. Je me suis vraiment coiffée à l'arrache, hein. La pince, mais au moins, quand j'attache les cheveux, ça fait moins. Non. Stop avec cette chaise. Suffit, là. Ah oui, on sait, tu l'aimes, mais bon, quand même. Tu vas mettre ton bonnet de Noël? J'ai un truc, c'est un petit bonnet comme ça. Je vais pas l'embêter, je lui mets pas l'élastique et tout, mais c'est juste pour... juste comme ça. Je lui enlève direct si vraiment ça le saoule. Qu'est-ce que c'est, mon bilou? Non, elle l'aime pas du tout. Attends, ah ben non. Faut pas casser non plus. Durée de vie, 30 secondes. On est rentré de notre petite escapade avec ma maman, ça a pas été très... On n'a rien trouvé, bon, c'était blindé en plus de monde. On est le même jour, hein. C'est juste que j'ai mis ça au-dessus. Je voulais vous montrer parce que je suis en train de préparer les petits emballages. Et il y a un des articles que j'offre. Le coffre est tellement beau. Voilà, ça c'est un des premiers petits paquets avec du papier de soie. Celui-ci, ça je l'avais eu à Sephora en fait. Elle m'avait offert plein de petites cartes comme ça. Je trouve que c'est sympa. Et celui-ci que je suis en train d'emballer, mais je me suis dit, il faut vraiment que je vous le montre. Donc c'est la maison Dior, une de leurs bougies, donc les collections privées. J'ai pas pu m'empêcher de regarder. Bon, voilà, donc en gros, nous avons la bougie. C'est une bougie qui est très très lourde. J'ai pris bois d'argent. J'hésitais avec Montaigne 30, mais bon, je voyais pas trop la fragrance. Avec, on a un pochon dans lequel il y a différents échantillons en plus. Ici, c'est un sac, je peux pas le déplier. Et là, j'imagine que c'est le socle. Ah, c'est ça. Est-ce que c'est la classe? Ben, bien sûr. Et la bougie est blanche. On va tout bien remettre. Voilà.
Vidéo, comme elle est belle cette boîte. Ben voilà, impeccable. Eric n'est toujours pas arrivé, il est presque 19h, je sais que l'avion, son fils a eu 45 minutes de retard, il va atterrir à 15h, mais quand même, alors pour aller, il m'a dit, il y a un monde de folie, et il avait pour projet, il m'a dit, oui, en rentrant, ah c'est l'heure où il s'énerve, en rentrant, ça serait cool, on prend la voiture, on va se balader dans les petits villages illuminés, je pense qu'ils vont avoir leur dose de bagnole, et après on commande pizza, devant la Starac. Bon, je pense pas que la Starac ce soit le délire de son fils. Mais au moins le temps de manger. Moi, ça me va. Hein. Je te vois. Tu es à l'écran, là. Viens voir ta mère. Ah bah. Mais ça arrive. Y a quelqu'un ? Bah, je suis là, ça a duré longtemps. Hein. Oh, on a des embouteillages depuis. Je commence à m'inquiéter un peu. Hein. Bon, bah, finalement, on va voir les illuminations. T'as repéré quoi ? Alors, quelque chose d'assez inhabituel, pour pas dire. Ah bon ? Ah oui, l'esprit de Noël, là. Fais gaffe, il y a un radar, parce que l'esprit de Noël, attention. Non mais il n'y a pas un seul, même la mairie n'est pas éclairée. T'es sérieux, Eric ? On vient de se taper 30 bornes, là. Attends, quand tu vas tomber dessus... Bah non, mais le village le moins éclairé, c'est sûr. Non, mais c'est non, ça. Non, mais c'est un début. Aïe, aïe, aïe. Ça y est, c'est le 24. Hier, je vous ai pas reconnu parce que c'était un gros fail. Une heure, plus d'une heure à tourner. J'étais derrière, j'avais envie de vomir. Dans les petits villages, machin. Ça faisait partie des principaux villages illuminés. Vous avez vu le sapin ? C'est la seule chose qui était illuminée ? Non. Non, j'ai vu un pavillon, il y avait une lampe. Ouais, bon bref, on va ouvrir. Et ça tombe bien que tu sois là. La dernière case, en espérant que ce ne soit pas un full size, justement, parfum de ça. Et j'aimerais que tu regardes en premier. D'accord, très bien. Il m'a mis sa chemise. Je suis pas habillée pour le réveillon, là, je suis habillée pour aller faire du shopping. On est d'accord. Eric, lui, par contre, est habillé pour le réveillon. La fameuse case du 24. Moi, je fais juste ça, et toi, tu regardes, et je me mets de l'autre côté, ok ? Bien sûr. Voilà. Moi, je lève la tête, j'ai pas vu. Donc maintenant, je te dis ce que moi, je n'aimerais surtout pas. Alors, qu'est-ce que tu n'aimerais surtout pas ? Que ce soit le parfum La vie est belle. Mmh. Ou quelque chose La vie est belle, parce qu'il m'a rendu malade. Bien sûr. Bah, écoute... Ça craint ou pas ? Oui. Tu vas pouvoir faire un cadeau à quelqu'un. Je suis dégoûtée. C'est dommage. Hein, ouais, parce mais qu'en vu que plus, le paquet est complet, tu vas pouvoir l'offrir à quelqu'un, tu vas pouvoir faire une heureuse. C'est vrai. Tu vois, ça aurait été trésor ou ça aurait été idole, ça le faisait. Ne faites jamais de cadeau à quelqu'un. Faites-vous vos propres cadeaux. Bah, je l'ai fait. Je l'ai fait. Oui, mais c'est vrai que même pour toi, tu n'arrives pas à te faire un coup de plaisir. Et j'en profite donc, ma maman. Je lui ai pris de chez 4 murs. Il est en train de tout défoncer, Jack, tu l'entends ? Oui. Une petite lampe ravissante qu'elle a beaucoup aimée. Qu'elle a beaucoup aimée. Ouf, compliqué ce matin. Beaucoup aimée, elle l'a. Nous sommes arrivés à Cap-Saran, donc Orléans. Étonnamment, il est midi. Étonnamment, ça va. Il n'y a pas énormément de bagnoles. Il y en a. Je m'attendais à pire. On va commencer par Sephora, Micromania. Après on mangera et après on fera encore 2-3 boutiques. Mais l'idée c'est pas de rentrer hyper tard quoi. On a le temps de se préparer. On était au Columbus, j'ai pas filmé. Il y avait de la musique. Et à Sephora, je me suis trouvé un petit contour des lèvres. Je l'ai mis là vite fait. Il m'a l'air bien. Nous sommes revenus évidemment. Il est 10h43. Je me suis changée. Donc j'ai mis, ça c'est un body que j'ai depuis longtemps, je crois qu'il y a un problème avec les épaulettes et je suis à deux doigts de couper et de les enlever. Ça fait un peu chelou. Je me suis trouvée, c'était pas prévu, chez Bonobo, une jupe 40%. Je l'ai eue à 17€ au lieu de 29. Vous savez, écoute, c'est une jupe longue. Je vous montre. Voilà, avec mes boots, je trouve que ça se marie plutôt pas mal. Voilà. Ah si, là vous allez voir un petit peu. Donc elle est métallisée. J'ai mis, et je suis très contente, le crayon à lèvres que j'ai acheté là, de la marque Sephora tout à l'heure, un tout petit crayon. Il est top. Donc il fait office de rouge à lèvres finalement parce que j'ai rien mis d'autre. Et voilà, c'est tout simple, je vais laisser mes cheveux comme ça. Enfin, j'attends que je vienne me faire une petite retouche de vernis. Et puis je sais pas si je vais attacher mes cheveux, mais bon, voilà un peu l'idée. Moi qui pensais avoir terminé avec les cadeaux en fait. J'ai très peu vlogué, vous l'avez vu, mais on a encore fait des petites emplettes quoi, de dernière minute. Nous sommes arrivés, nous sommes que 4. On dirait pas. Hein. Attends. Ok Google, baisse. Voilà, les cadeaux. Alors, je vous montre la jolie table de Noël. Jolie bon, comme table chaque de Noël. Année. Hein. Ah, s'il y a de la muscade, j'aime bien. Ah.
Ça, c'est une. Tu peux en mettre. De butternut. C'est pas un butternut. Non, c'est. Oui, mais c'est bien du butternut. Et on est quatre, on se refuse rien. Ah, je me régale. C'est vraiment un très bon réveillon. Et le gin tonic. Bonjour. C'est Noël. Nous sommes le 25. Il est midi, c'est juste qu'on n'a pas. Comme on repart, on a laissé les volets fermés. Je vous montre mon look du jour. Hier, j'ai pris très très peu la caméra. Parce que là, pour le coup, on a profité en petit comité. C'était vraiment très très sympa. On a bien mangé, évidemment. Et ça fait du bien aussi, parfois, de poser la caméra. C'est à moi que tu parles ? Bah oui. J'ai été très gâtée. Je pense que je ferai plutôt une petite vidéo dédiée. Alors, c'est une robe qui vient de chez Mango. Donc, c'est sympa. J'ai remis, évidemment, les boots. Ça se marie très très bien avec le long. Ah si, et j'ai mis un collier. Alors ça, c'était, je sais plus, dans une box, quelle édition, je ne sais plus. Mais je trouve que ça finit le look. Très sympa, voilà. J'ai relevé mes cheveux, je les ai lavés. Et on est fin prêt, on va donc chez la fille d'Eric. Je vais mettre ça également. Pour terminer, je vais remettre ce que j'ai éteint pour les droits d'auteur. Je sais pas si c'est bon. C'est hyper sympa. Donc Eric nous met vraiment la playlist de Noël avec ce visuel hein, animé, le feu, tout ça. Très, très, très sympathique. Diane, c'est très joli ta table. Elle est belle. Elle est belle. On doit être 16. C'est ici que ça se passe au niveau des apéros ici que ça bosse le plus en tout cas. Ouais. Je ne sais pas quel va être le menu. Je sais qu'hier soir, ils auraient venu ici tous. C'était fruits de mer. Là, ce que je ne sais pas. Apparemment, il y a une. Des petits escargots. De toute façon, c'est ça. Non, c'est du jus, je pense, qui est sorti. Re-coucou, nous sommes donc le lendemain, le 26 décembre. J'ai très très peu, comme le 24, pu filmer parce que bon, déjà on était assez nombreux et il y avait de la musique tout le temps. Pareil pour les droits d'auteur, tu peux pas trop. J'ai mangé des choses que je n'avais pas mangées depuis très 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 longtemps, soit parce que j'osais plus, soit parce que je pensais que je n'aimais pas. Aujourd'hui je le paye, notamment les huîtres. J'ose jamais trop manger d'huîtres. Je me suis régalée des huîtres qui venaient de Normandie et j'ai blindé moi. J'ai blindé avec vinaigre et échalote. Mais vinaigre et échalote, quand en plus ça a des problèmes d'estomac, tu le payes. On a mangé. Ce que vous avez vu là, la purée, c'était pas une purée, c'était un écrasé de pommes de terre à la truffe. C'était tellement bon, il y en avait une à la truffe et une nature. La pintade, mais ils avaient fait une sauce au foie gras qu'ils avaient fait depuis. Enfin, revenir pendant très 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 longtemps. C'était bon, il y avait des escargots, ça j'en ai pas mangé puisqu'il y a de l'ail, mais bon. C'était vraiment très très chouette. Eric vient de partir à l'aéroport pour ramener son fils. Genre, il est parti 3 heures à l'avance parce que la dernière fois où il est venu, son fils a été bloqué à la douane pendant une heure ou deux. D'autres personnes. Résultat, il a loupé son vol et ils n'ont rien voulu savoir. Donc, Eric a dû payer 2 billets d'avion. Donc là, il s'est dit, ok, voilà, on part beaucoup, beaucoup plus tôt. En ce qui concerne ce que j'ai eu à Noël, je pense que je vais faire une petite vidéo dédiée. Peut-être jeudi ou vendredi. Là, ça va être un peu perturbé pour les parutions. Mais je voulais vous montrer un petit spoiler. Ceux qui suivent mes vlogs, vous l'avez vu en tout cas très rapidement. Un de mes cadeaux. Je suis fan, je ne suis pas peluche plus que ça, mais je fonctionne beaucoup, beaucoup au coup de cœur. Et cette petite peluche, ce petit écureuil m'a appelé en fait, dans la vitrine. Son regard m'a beaucoup, beaucoup séduite. Cette peluche est beaucoup, beaucoup trop cute, avec sa jolie queue en panache. J'ai également son histoire, donc c'est une petite BD. Et même son histoire est mignonne. Vous voyez là, il a des bois de serre sur la tête. Parce qu'en fait, ce petit écureuil est très complexé. Il n'aime pas son apparence, donc il voulait la changer. Il s'est rajouté des bois de serre. La morale, c'est qu'à la fin, il se dit, finalement, c'est peut-être pas si mal d'être un petit écureuil. Jack a commencé un peu à se familiariser. J'adore. Tu connais ? Tu connais l'écureuil ? T'es jaloux ? Fais tomber l'écureuil. En tout cas, c'était cool de partager ces petits jours avec vous. Pour ce qui est des jours qui arrivent, je vais continuer à vlogger.
Et je pense que... Attendez, je prends mon agenda parce que ça sera plus simple. C'est-à-dire que... on va avoir là entre deux la vidéo des cadeaux. Donc soit jeudi 28 ou vendredi 29. Et ensuite, il y aura une vidéo qui sortira, je pense, mercredi 3 janvier. Et après, on reprendra normalement le cours le 5, le vendredi, et ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Je vous fais un gros bisou, parce que là, j'ai du montage qui m'attend un petit peu quand même. Et je vous dis donc à jeudi ou vendredi pour les cadeaux. Bisous.